On se retrouve donc sur Mental Canvas et alors ici on peut ouvrir un nouveau template. On va choisir un vierge, hein, comme ça c'est plus simple. Et donc avec le contrôle, je dessine d'abord un objet histoire que vous puissiez voir. Avec contrôle et glisser du stylet, on peut se déplacer. Avec Alt, on peut faire des zooms. Et avec le Shift, on peut faire, comme vous voyez, des rotations. Donc c'est parti, on va faire un personnage rapidement, histoire de prendre un peu en main le logiciel. Ok, on a notre personnage qui est là debout, on lui met un petit décor, on lui fait peur, c'est le premier plan. Ici maintenant, on peut ajouter ce qu'on appelle des canvas en fait, enfin, c'est des calques. Et donc maintenant, pour pouvoir déplacer le calque, il suffit de pouvoir cliquer sur l'écran le principal et de zoomer en fait, ou zoomer ou dézoomer. Et là, comme vous le voyez ici, ça nous permet de voir un petit peu, de s'orienter, de voir un petit peu où est-ce que le calque a été zoomé ou dézoomé. Et quand on est prêt, on valide. Et puis on peut continuer. Donc il y a un nouveau canvas qui a été ajouté sur la gauche, vous voyez. Et ça me permet de travailler donc sur le deuxième canvas maintenant. Donc comme vous voyez, on peut déplacer, ça donne un effet de perspective vraiment très intéressant. Donc encore une fois, avec le calque, avec le canvas, en cliquant dans le viewport, ce qu'on appelle le viewport, je peux déplacer le prochain plan sur lequel je vais travailler et le valider. Donc un troisième plan est apparu en haut à gauche. Je peux sélectionner mes pinceaux, mes types de pinceaux, crayons, enfin pinceaux, peu importe. Et puis ici, je peux choisir mes couleurs. Pour mon premier plan, j'ai choisi une couleur un peu bleu foncé. Agrandir la taille, j'ai choisi une brosse pour le coup, histoire d'essayer autre chose. Là on voit qu'on a un autre effet, j'aime bien. Je cache le premier plan au final pour pouvoir travailler sur le second plan, là où se trouve le personnage, pour pouvoir être un peu plus à l'aise. Pour cacher ou remettre le plan, il suffit d'appuyer sur le petit œil qui se trouve à côté du canvas. Et à chaque fois que je veux travailler sur un plan, il faut que j'aille le sélectionner de manière à ce que les couleurs elles puissent être apparentées au canvas qui va avec. Donc on rappelle, le canvas c'est une sorte de calque. Donne des ombres à mon personnage pour lui donner un peu plus de profondeur. Ici, je vais rajouter encore un nouveau calque du coup pour travailler sur le fond. Donc on peut orienter en fait, grâce à cette petite fenêtre sur la droite, on peut orienter pour pouvoir voir où se trouve le fameux calque en question sur lequel on va travailler, pour avoir une idée plus précise de là où se trouve la profondeur de champ. Un nouveau calque a été rajouté, comme vous l'voyez. Et là, je peux donc travailler sur mon quatrième plan.
chaque fois que vous voulez travailler sur un personnage, enfin, à chaque fois que vous voulez travailler sur quelque chose, ou notamment sur un plan, mettez-vous bien à l'esprit qu'il faut rajouter un canvas. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire, mais travailler sur différents calques et canvas donc, permet d'avoir vraiment cette profondeur de champ. Comme par exemple, là, j'ai rajouté les nuages sur un autre calque. Ici maintenant, je peux ajouter, donc je peux commencer à préparer ma, disons, mes plans, ma vidéo, pour dire ça comme ça, ma prise de vue. Et donc ça se passe en bas. À chaque fois que je vais déplacer mon image, mes canvas, eh bien j'appuie donc sur le petit appareil photo. Et vous voyez qu'il y a à chaque fois une vignette qui se rajoute. Il est en train de faire une capture de, comment dire, de, du trajet que va prendre en gros l'appareil photo. Pour faire des rotations maintenant par rapport à la caméra, il suffit de se rendre ici. Voilà. Et là, je peux faire des rotations et voir un petit peu. On voit que ça nous donne un effet de perspective vraiment très intéressant. Je valide en appuyant sur le petit appareil photo. Et une fois que tout est OK, bah, je peux exporter en fait mon travail. Petit détail, on peut voir ce qu'on a fait avec les petits, comment ça s'appelle, avec les vignettes, en appuyant sur la petite flèche de lecture en bas à droite près de l'appareil photo, pardon. Et au final, quand on exporte notre projet, vous voyez la jauge qui se remplit et tout est OK.